Bonsoir. Comme pour beaucoup en France, l'été n'est pas encore là à Toulouse. Il faisait même frais cet après-midi puisqu'on atteignait tout juste 20 degrés. Côté ciel, ce n'était pas non plus la folie dans la mesure où le ciel alternait entre nuages et éclaircies. Et puis l'anticyclone des Açores va étirer une dorsale demain permettant de stabiliser la masse d'air sur notre pays. Du côté des températures, on attend demain matin 21 degrés du côté de Nice ainsi qu'en Corse. Il fera 20 degrés à Perpignan. 18 à Marseille, on attend 17 degrés à Biarritz, 15 à Metz, il fera 14 degrés à Tours, 13 à Rennes, 12 degrés à Rouen et on attend 11 degrés à Aurillac. Alors dans la matinée, on retrouvera une zone nuageuse entre le sud-ouest et l'Italie avec des averses et de l'orage sur les Alpes-Maritimes. Il pleuvra sur le sud de la Corse et pour les autres, le soleil s'imposera sans grande difficulté. Dans l'après-midi, la masse nuageuse et pluvieuse se dirigera davantage vers le sud. On conservera des orages sur les Alpes-Maritimes et le nord de la Corse et puis sur les autres régions. Les éclaircies seront belles pour les températures. On montera jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi à Montpellier. Il fera 26 à Marseille, 25 degrés à Perpignan. On attend 23 degrés à Bordeaux, 22 à Bourges. Il fera 20 degrés à Clermont-Ferrand et on relèvera 18 degrés à Cherbourg. Lundi, on pourra enfin parler d'une journée pleinement estivale avec du soleil et des températures élevées. En revanche, de l'instabilité se développera sur le quart sud-est et la Corse où là-bas on observera des nuages, des précipitations et de l'orage sur l'est de la région PACA. Et l'île de Beauté. Cette situation sera toujours présente mardi sur le sud. De la pluie s'invitera sur les Pyrénées, puis sur les autres régions. On profitera d'un temps sec et bien ensoleillé. Et il fera chaud, puisqu'on pourrait atteindre 28 degrés dans certaines villes du nord et jusqu'à 31 degrés dans le sud. Mercredi, contrairement au jour précédent, les conditions les plus sèches concerneront la Corse et le littoral méditerranéen, alors que dans les autres régions, les nuages reviendront accompagnés de périodes d'averses parfois orageuses. Jeudi, le temps sera sec en Corse et sur le sud de PACA. Les autres devront s'accommoder d'un ciel souvent très nuageux avec des précipitations plus continues sur la façade est, le nord-ouest et les Pyrénées. Vendredi, toute la moitié nord se retrouvera sous les nuages, la pluie et les rafales de vent. Et puis samedi, cela reste à confirmer, mais il est possible que la plus grande partie de l'Hexagone bénéficie d'un temps sec. Ce soir, la Belgique affronte la Roumanie dans les phases de poule de l'UEFA Euro 2024. Tout de suite, la météo des plages.